Première question. On considère qu'au bout de 4 minutes, le métabolisme des levures change. Justifiez cette affirmation. Donc, il faut regarder ce qui se passe avant et après les 4 minutes et comparer ce qui est consommé ou produit dans les deux cas. Dans la question 2, vous devez montrer que les deux types de métabolisme s'accompagnent d'échanges gazeux avec le milieu. Et vous devez ensuite écrire l'équation de la respiration et de la fermentation. On sait maintenant qu'au bout de 4 minutes, il se passe quelque chose. Donc on regarde ce qui se passe avant 4 minutes. Qu'est-ce qui est consommé? Qu'est-ce qui est produit? Puis après 4 minutes, de la même façon, ce qui est consommé, ce qui est produit, de façon à pouvoir écrire les deux équations. Dans la question 3, vous devez montrer que le métabolisme cellulaire est contrôlé par les conditions du milieu. Donc de la même façon, puisqu'on sait qu'il se passe quelque chose au bout de 4 minutes, on va regarder quel est le facteur qui devient limitant ou qui permet de dire qu'à partir de ce moment-là, il y a un changement. Dans la question 4, vous devez montrer que la respiration est un métabolisme plus efficace que la fermentation en termes de production d'énergie à partir de la consommation de glucose. Donc il va s'agir de regarder au cours de la première étape quelle est la consommation de glucose, donc de calculer le coefficient directeur de la consommation de glucose dans cette première partie. Puis de la même façon, dans cette deuxième partie, à partir de 4 minutes, de calculer le coefficient directeur de la consommation de glucose. Bon courage à tous !